Выбух! Depuis 2022, l'Ukraine est devenue le pays le plus miné au monde, car la Russie, qui n'a pas signé la Convention d'Ottawa, ne s'est pas privée d'en semer partout dans sa retraite désastreuse de 2022. Et les soldats russes sont passés maîtres dans l'art d'ajouter d'autres pièges autour des mines. C'est comme ça que le démineur Valérie Ounoul a perdu sa jambe en 2022, ce qui ne l'empêche pas de continuer à déminer. J'ai fait ce travail toute ma vie, dit-il. Je ne peux pas laisser tomber mon équipe. L'Ukraine est actuellement terriblement affectée par des mines et par des munitions non explosées. Il s'agit probablement du pays le plus miné du monde. Les pièges explosifs sont vieux comme la guerre. À la libération de l'Europe, les militaires canadiens ont filmé le déminage de la côte des Pays-Bas par des prisonniers allemands. Les conditions d'armistice les obligeaient à déminer et les vainqueurs se disaient que s'ils y laissaient la vie, ce n'était rien par rapport à ce que l'Allemagne leur avait fait subir. Le mouvement anti-mine a commencé en 1982 et de nombreuses personnalités, dont la plus connue est Diana Spencer, ont milité pour interdire les mines antipersonnelles. En octobre 1996, le ministre canadien des Affaires étrangères, Lloyd Axworthy, organise ce qu'on appelle la première conférence d'Ottawa sur les mines antipersonnelles. Ce qu'on désigne désormais comme le processus d'Ottawa mènera en septembre 1997 au succès de la conférence d'Oslo et, consécration, début décembre à la Convention d'Ottawa. Près de 125 pays signeront le traité. Un grand succès diplomatique, suivi d'une baisse des victimes de mines, jusqu'en 2013. Mais ça n'a pas duré. Il y a l'Afghanistan, après 40 ans de guerre. D'abord avec les Russes, ensuite avec les talibans. Pour les enfants de ce village, jouer au cricket est dangereux. Cet enfant de 11 ans était blessé à l'œil et à la main par un objet non explosé. Depuis 1989, plus de 41 000 civils afghans ont été tués ou blessés par des mines terrestres et des munitions non explosées. L'ONG écossaise Halo Trust s'est engagée à décontaminer l'un des pays les plus minés au monde. La priorité est de protéger les enfants des mines terrestres et d'autres restes explosifs de guerre en Afghanistan. Le Yémen. Épuisé par la faim et terrorisé par les bombes, des milliers de civils de la côte occidentale sont exposés aux engins explosifs dissimulés sur des routes, dans des champs et parfois même dans des maisons par des rebelles houthis battant en retraite. Au Soudan du Sud, après des décennies de guerre civile, les mines antipersonnelles et explosifs contaminent encore de vastes étendues du paysage soudanais, menaçant les habitants. Et puis il y a encore les vieux conflits. Au sud Liban, cette femme cherche encore les mines antipersonnelles enfouies lors de l'invasion par Israël entre 1982 et 1985. Et près de 50 ans de guerre de guérilla en Colombie ont laissé de très mauvais souvenirs. La plupart des problèmes de mines sont dans des pays pauvres qui n'ont pas les moyens pour déminer. Le plus triste, c'est que cette arme qui se veut militaire tue et mutile surtout des civils, des enfants, pendant très longtemps. C'est pourquoi on appelle les mines antipersonnelles l'arme des lâches. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal.